what you say. Et bonjour, bienvenue sur la deuxième journée de La Route des Étalons. Le soleil est encore avec nous aujourd'hui. Nous sommes au haras de Bouctau à Clarbec, le haras de Al-Shakab Racing. Le soleil est avec nous, c'est pourquoi Sébastien Desmonti a mis ses superbes lunettes. Bonjour Sébastien. Bonjour. Tout va bien? Tout va très bien, ouais. On est sous le soleil là, il fait frais, sec et tout, c'est magnifique. Magnifique. C'est magnifique comme ce cheval qui arrive derrière nous, votre nouvelle recrue, Ruler of the World, un gagnant de derby par Galiléo. Présente-nous déjà un peu, pour ceux qui ne se rappellent pas, quel a été ce cheval de course. C'était un excellent cheval de course. Il est tout d'abord né dans la pourpre, donc fils de Galiléo, comme vous l'avez souligné. Et c'est surtout la famille des P&D aussi, de l'autre côté. Donc il a une mère Kimambo, famille des P&D, fils de Galiléo. Et il a confirmé en course, puisqu'il a été élu meilleur 3 ans de sa génération. Il a notamment gagné le derby anglais, la course la plus convoitée en Angleterre. Donc c'est assez extraordinaire. Et donc c'est vrai que c'est assez phénoménal. C'est le seul gagnant de groupe 1 par Galiléo qui fait la monte en France. Et il a eu ses premiers 3 ans en 2019 avec une belle réussite. Et oui, on souligne la belle réussite. Il y a notamment cette championne, Iridesa. Ce qui est important aussi, c'est qu'il est déjà père d'une championne. Tout à fait. Il y a peu d'étalons qui sont capables, dans leur première production, de produire déjà un gagnant de groupe 1. Mais en plus de ça, une championne, puisqu'elle est multiple gagnante de groupe 1. Elle est gagnante de groupe 1 à 2 ans, mais aussi à 3 ans, en Europe et aux États-Unis, puisqu'elle a terminé sa carrière, son année de 3 ans sur une victoire dans la Breeders' Cup, ce qui est fabuleux. Et alors, comment ça s'annonce, cette première saison avec Ruler of the World? Tu peux nous rappeler son tarif, qui est quand même assez attractif. Et qu'est-ce qu'on peut viser comme jumenterie avec un cheval comme ça? Alors oui, effectivement, c'est un tarif assez attractif, parce que c'est rare de pouvoir donc toucher un étalon de ce calibre-là au prix de 6 000 euros. Alors c'est effectivement une somme, mais bon, c'est vrai que ces chevaux-là, souvent, ils sont à des prix plus importants. Et du coup, ça permet de toucher beaucoup plus d'éleveurs. Le type de jument qui lui va, je veux dire, c'est un cheval qui est très beau physiquement, il toise 1m61, donc si on veut... des grands chevaux, il faut certainement lui apporter un peu de taille, mais les petits chevaux sont tout à fait aussi efficaces que les grands. Le cheval est très bien fait, il n'y a pas de type de jument particulier dans le physique. Il ne faut effectivement pas lui apporter une fille de Galiléo, mais il a un courant de sang, celui de Sadler's Wells Galiléo croisé à celui de King Mambo, qui va très bien croiser avec la jumenterie française. Merci beaucoup Sébastien, et beaucoup de succès avec notre Ruler of the World, un fils de Galiléo, un gagnant de Derby d'Epsom, père d'une championne. Il sera au haras de Bouctau dès 2020.